Bénéficiant d'un emplacement en bord de mer dans la région du golfe thermaïque de Macédoine, Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce après Athènes. La ville a une histoire et une culture riches. En plus d'être une base idéale pour explorer le nord de la Grèce, elle fonctionne également comme une plaque tournante commerciale, d'affaires et des transports pour cette partie du pays. C'est l'un des endroits le plus animés à visiter, avec toutes sortes d'équipements et une belle promenade en bord de mer. Maintenant, Athènes est la capitale de la Grèce. Cependant, Thessalonique est souvent considérée comme la co-capitale du pays. Cela montre à quel point la cité est importante pour le pays. La co-capitale fait référence à son statut historique des villes co-régnantes de l'Empire byzantin aux côtés de Constantinople. Symboliquement, elle est restée la même dans l'État grec moderne, mais elle est devenue littérale au fil des années. La ville joue son propre rôle puisqu'elle constitue un pont entre l'Europe de l'Est, la péninsule balkanique et le nord de la Grèce et les restes du pays. Thessalonique est la ville gastronomique de la Grèce. Les Nations Unies sont d'accord avec l'UNESCO à désigner Thessalonique première ville gastronomique de Grèce en novembre 2021. L'une des caractéristiques les plus significatives de l'hospitalité grecque est la passion pour une nourriture bonne, savoureuse et de haute qualité. À Thessalonique, cette caractéristique est encore plus importante. Ces dernières années, les autorités municipales ont investi dans le développement du tourisme gastronomique à Thessalonique. En conséquence, il existe de nombreuses options pour satisfaire votre appétit. De la cuisine de rue aux tavernes grecques traditionnelles en passant par la cuisine internationale et les restaurants raffinés. Nous avions eu un excellent et savoureux souvlaki. Les souvlaki sont un choix de restauration rapide populaire en Grèce. Les brochettes de viande marinée sont cuites sur un feu ouvert. Nous avions passé 2 jours dans la région et nous nous sommes plongés dans la vibrante culture et charme de Thessalonique en nous promenant dans la ville. Nous avions commencé notre visite à Thessalonique par les monuments les plus emblématiques de la ville, la Tour Blanche. Considérée comme l'emblème de la ville, la Tour Blanche est l'un des meilleurs endroits à voir à Thessalonique. Construite en 1535, la tour était à l'origine entourée de lourds murs, car elle servait de prison pendant l'occupation ottomane de la Grèce. Là, de nombreux prisonniers furent torturés et exécutés, et la tour acquit son surnom, la Tour du Sang ou la Tour Rouge. Elle fut rebaptisée Tour Blanche en 1890, après qu'un prisonnier l'ait entièrement repeinte en blanc en échange de sa liberté.
tour de 35 mètres de haut abrite aujourd'hui le musée de la Tour Blanche, dédié à l'histoire de Thessalonique depuis l'époque romaine jusqu'à nos jours. Lors de notre visite, nous nous sommes rendus au dernier étage de la tour et là, nous avions eu une vue à 360 degrés de la ville et de la mer. Thessalonique est une ville qui vous invite à la parcourir à toute heure de la journée. Avec ses avenues bordées d'arbres et son atmosphère animée, le pivot central est la place Aristote avec une vue sur la mer et des dizaines de cafés parfaits pour observer les gens. À quelques pas de la tour blanche, vous atteindrez le magnifique front de mer de Thessalonique. Si on demandait de décrire Thessalonique en un mot, la plupart diraient le front de mer. Cela est compréhensible car il existe plus de 3,5 km de front de mer utilisables qui profitent de la beauté naturelle de la ville. Une balade au bord de l'eau, c'est l'une des meilleures choses à faire à Thessalonique. Là, vous pourrez parcourir une promenade de 5 km de long en bord de mer. L'endroit est vraiment dynamique et il devient de plus en plus animé pendant la nuit, alors que le bar, bistrot, restaurant et pub se remplissent de locaux et de touristes. La célèbre sculpture en acier inoxydable de 13 mètres de haut intitulée « Parapluie au bord de l'eau ». Le parapluie est une installation d'art public populaire située au cœur de Thessalonique, créée par l'artiste grec Georges Zongolopoulos. Ce chef-d'œuvre captivant a été présenté au public en 1997 et est devenu partie intégrante du tissu artistique et culturel de la ville. Situé le long de la promenade du front des mers de la ville, dans le quartier de Nea Paralia, le parapluie se distingue comme un symbole de l'adhésion de Thessalonique à l'art moderne et son appréciation profondément enracinée pour la culture. Sur le front des mers, nous avions fait une excursion en bateau pour voir la ville sous un angle différent. Plusieurs excursions en bateau et croisières sont proposées à Thessalonique. En règle générale, les croisières en bateau durent environ 1 à 2 heures, ce qui vous laisse le temps de vous détendre, de profiter de la vue et de prendre des photos. Les horaires peuvent varier en fonction du prestataire de voyage, mais les croisières sont généralement disponibles toute la journée et en soirée si vous préférez une atmosphère de coucher de soleil ou de nuit et de lumière de la ville. Pendant notre visite à Thessalonique, nous avions visité quelques églises. Thessalonique offre de nombreuses attractions religieuses.
parmi lesquelles les nombreuses églises byzantines que l'on trouve dans la ville haute et dans la région au sens large. Les visiteurs ont l'occasion d'admirer 1000 ans d'architecture unique et des monuments bien conservés. L'une des églises plus proches de la ville et qui se dresse encore fièrement aujourd'hui est Hagia Sophia, à seulement 12 minutes à pied de la Tour Blanche. C'est la plus grande et la plus célèbre église byzantine de Thessalonique. Elle a été construite au 8e siècle sur les ruines d'une église paléo-chrétienne détruite par les tremblements de terre. C'était autrefois une mosquée turque. Avec d'autres églises d'Istanbul, Hagia Sophia représente l'architecture byzantine. Depuis Hagia Sophia, il y a 12 minutes à pied jusqu'à l'église d'Agios Dimitros. L'église d'Agios Dimitros se trouve au cœur de la vieille ville, dans la rue du même nom. Il s'agissait à l'origine d'une petite église byzantine construite sur les ruines d'une station thermale romaine. L'évêque Ioannis a fondé la basilique à 5 nefs et entre 1493 et 1912, elle a été utilisée comme mosquée turque. En 1917, l'église fut entièrement incendiée et en 1949, elle fut entièrement rénovée. Aujourd'hui, c'est l'un des pèlerinages le plus célèbre de Grèce et le saint patron de la ville. La prochaine église que nous avions visitée est l'église Saint-Paul, l'apôtre, à 12 minutes en voiture de la Tour Blanche. L'église n'est pas loin des murs de la forteresse de Thessalonique que nous visiterons après. L'église Saint-Paul est située sur la colline, c'est pourquoi il n'est pas difficile de la remarquer dès loin. Le magnifique bâtiment du temple est couronné par un dôme aplati. Un arc distinctif s'élève au-dessus du bâtiment principal et décore l'entrée centrale. Il s'agit d'une église nouvelle et moderne consacrée à l'honneur de l'apôtre Paul en 1997. Le mur de Thessalonique se trouve à seulement 5 minutes à pied de l'église. Ces structures impressionnantes sont le résultat des longs processus de construction et d'entretien continu qui remontent à la fondation de la ville de 316 avant Jésus-Christ jusqu'au début du 20e siècle et ont sauvé la ville à plusieurs reprises de l'ennemi extérieur. Il faisait environ 8 km de long et un peu plus de la moitié reste debout aujourd'hui. Un certain nombre de forteresses et de tours défensives ont été ajoutées au cours des différentes périodes de l'histoire, comme la forteresse des 7 tours et la tour des Trigonios située près de l'Acropole. Plusieurs tours de forme carrée, circulaires ou polygonales ont également été construites sur tous les périmètres.
étant peut-être l'élément le plus important des murs de la ville et l'un des sites touristiques les plus populaires de Thessalonique. La tour des Trigonion est un chef-d'œuvre médiéval. Construit dans la seconde moitié du 15e siècle après Jésus-Christ, il servait d'armurerie et de tour d'artillerie. Les vues sur la ville depuis cet endroit sont incroyables. La prochaine étape est la tour hôtée de Thessalonique. La tour hôtée est une tour fantaisiste de 76 mètres de haut située dans le parc des expositions internationales de Thessalonique. La tour abrite un café-bar tournant. Apparemment, vous pouvez avoir des vues tournantes sur Thessalonique. Malheureusement, la tour était fermée lorsque nous y étions. It's closed. Nous avions terminé notre visite à Thessalonique à la rotonde. La célèbre rotonde de Thessalonique est l'un des monuments romains le plus important de Thessalonique. Elle se trouve juste à côté de l'arc des galères dans le centre-ville et est également connue sous le nom de l'église d'Agios Georgios. Cette structure cylindrique a été construite en 306 après Jésus-Christ par les tétrarques romains Galères qui voulaient en faire sa tombe. Au début, il fonctionnait comme un temple, mais on ignore à quel dieu ce temple était dédié. Après la mort des Galères, qui fut enterré ailleurs, l'empereur byzantin Constantin Ier la transforma en église orthodoxe et de nombreuses fresques furent peintes à l'intérieur, dont certaines survivent aujourd'hui sur les murs de la rotonde. Au XIVe siècle, les Ottomans occupèrent Thessalonique et la rotonde fut transformée en mosquée. Au sud de la rotonde se trouve l'Arc de Triomphe, connu aujourd'hui sous le nom de Camara. C'est l'un des 15 monuments paléo-chrétiens et byzantins de Thessalonique inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. L'Arc des Galères est également l'une des destinations les plus populaires de la ville, avec la Tour Blanche tant auprès des locaux que de touristes. L'église de Panagianexia est située à côté de l'Arc des Galères, à une très petite distance. Nous y avons passé du temps alors que nous étions dans la région. Cette église a été construite en 1956 et n'est pas aussi historique que d'autres temples, mais elle vaut la peine d'être visitée car vous pourrez admirer les peintures murales colorées et les icônes qui décorent l'intérieur. Que retenir de cette visite extraordinaire dans la deuxième plus grande ville de Grèce? Thessalonique possède un joli front de mer bordé de cafés, ainsi que des monuments byzantins et des structures ottomanes plus remarquables que vous ne pouvez en imaginer. C'est la première ville gastronomique des Grèces. Sa population universitaire est la plus importante des Grèces et des Balkans, ce qui signifie que la ville possède une scène musicale, artistique et de divertissement dynamique et avant-gardiste. C'est une base idéale pour explorer le nord de la Grèce et les Balkans.
Thessalonique coche toutes les cases pour quelqu'un qui souhaite passer de merveilleuses vacances. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner pour plus. Prochainement, nous vous amènerons à Alkidiki en Grèce. Jusque-là, continuez à voyager. À bientôt.